Bonjour. Je vous en prie, merci de nous rejoindre. Vous êtes orateur de la France Insoumise. Au moment où on arrivait, je pense que vous l'avez pas entendu, vous étiez un peu loin, Éric Zemmour nous disait on n'est plus en France, on n'est plus dans le même pays quand on voit ce qui se passe ici. Non mais c'est bien, vous êtes le sultan des médias, donc ça vous permet d'être candidat. Le sultan des médias en ce moment, c'est très confortable. Vous pouvez vous balader dans les médias partout, vous êtes candidat sans être candidat, il faut le reconnaître. Et puis, pour savoir ce que vous proposez pour la France et les Français, c'est simple, il faut se prolonger. Vous m'écoutez. Soit dans vos interviews, voilà. Soit dans vos livres. Eh bien, j'ai lu. Alors justement, c'est pour ça que vous êtes là. Ça annonce la couleur, vos livres, monsieur Zemmour. Vous voyez, au moins je suis franc. Bah oui, mais dans vos livres, vous passez votre temps à parler de vos dîners en ville, vous passez votre temps à parler de vos dîners mondains, et vous parlez jamais des Français qui ont faim. Là, on les voit depuis tout à l'heure. Depuis le début, monsieur Zemmour, moi j'entends ce que vous dites. Il y a des millions de Français qui sont en train de s'enfoncer dans la misère et la précarité, qu'ils soient noirs, blancs ou arabes. Des millions. Et vous, ce que vous proposez, c'est quoi? C'est d'augmenter l'âge de départ à la retraite, de voler un peu de vie aux gens, de temps de vie. Ce que vous proposez, c'est, vous refusez l'augmentation du SMIC. Vous êtes contre le fait d'augmenter les salaires. Et la vérité, c'est que vous comptez rien faire contre les plus riches de ce pays qui, eux, se sont mis 110 milliards d'euros dans les poches pendant la crise, pendant que les Français étaient saignés à blanc et qu'ils se demandaient comment ils allaient remplir le frigo pour leurs enfants. C'est ça ce que vous comptez faire. Vous n'allez rien leur faire parce que vous avez besoin d'eux, monsieur Zemmour. Pour écrire vos livres, vous avez besoin d'eux. Qu'ils soient dit en passant, hein. Je vous le dis comme ça. Et vous passez votre temps. Écrire mes livres ? Ah, des riches ? Parce que vous avez besoin de balancer. Il n'y a que les riches qui achètent les livres. C'est intéressant parce que là, on a basculé sur autre chose qui était l'aspect économique. Non, mais vous allez... Mais c'est bien, c'est une bonne question. On va prendre la réponse d'Éric Zemmour. Mais attendez, je vais juste finir. Allez-y. Vous balancez votre temps, vous passez votre temps à balancer des conversations privées. Ça en dit long sur le degré de confiance qu'on peut vous accorder. Parlons chez nous, on appelle ça une pouquille. Parlons des Français. Mais on va parler des Français. Votre méthode, elle est pourrie. Parce que pour convaincre les gens de se laisser dépouiller, vous êtes en train de cibler, qui ça? Les étrangers. Voilà, c'est votre cible préférée, c'est les étrangers. Et pour ça, vous êtes prêt à mentir, à travestir la réalité et à mentir sur les chiffres et à tromper les gens. Alors, enfin, dialogue. Vous avez dit, par exemple, vous faites un discours, ça serait bien qu'ils répondent. Les étrangers sont beaucoup plus, trois fois plus inactifs, c'est ça? Je vous donnerai les chiffres. Alors, il vous répond et vous dialoguez. Voilà. Ce qui est intéressant, d'abord, c'est le dialogue. D'abord, je tiens à vous dire que moi, quand je raconte mes dîners, mes déjeuners, comme vous dites, c'est parce que d'abord, ça correspondait à mon métier de journaliste. Et qu'en plus, je trouvais ça intéressant de voir le décalage entre ce que les gens, les politiques en particulier, disaient en privé, me disaient en privé, et ce qu'ils disaient en public. Je pense que ça intéresse les gens. Sur ça, si vous voulez bien sûr. Je pense que ce n'est pas ce qu'attendent les gens de cette émission. Mais vous avez raison. Deuxièmement, les chiffres sont patents. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, pardon pour les téléspectateurs, mais monsieur n'entendait pas, il y a 8% de chômeurs en France, en moyenne. Il y a parmi la population étrangère hors Union européenne 24% de chômeurs. Il y a 13% Il y a 13% d'inactifs en moyenne en France. Inactif, c'est chômeur plus inactif. Et dans la population extra-européenne, c'est pas un chômeur, un inactif, non. Mais j'ai dit chômeur plus inactif. D'accord. Sinon, ça serait 8% les chômeurs. Bon. Donc, il y a 13%. Et là, il y a parmi la population étrangère hors Union européenne, une fois de plus, donc essentiellement africain, il y a 40% d'inactifs. Je peux vous arrêter là-dessus? Non, je finis. Ah, je vais quand même le faire. Mais vous allez me répondre. Vous êtes en train de m'arrêter? Allez-y. Non, je ne suis pas en train de mentir. Je vous donne la parole. Je voulais simplement dire que ces gens-là, vous savez, il y a une règle, je l'ai déjà dit, dans le Code des étrangers, qui dit que les étrangers ne doivent pas coûter aux finances publiques. Donc ces gens-là n'ont rien à faire ici car ils coûtent aux finances publiques. Voilà ce que je dis. On n'aurait pas dû les accepter et on n'aurait pas dû les accepter. Et ensuite, il ne faut plus reconduire automatiquement leur titre de séjour. Et voilà où vous êtes en train de mentir. Vous dites qu'il y a 14% d'inactifs. Non, de chômeurs. Non, vous avez dit inactifs, monsieur. Ah, 13% d'inactifs. 14%, c'est pas très grave. Non, c'est pas 14% d'inactifs français. En France, en moyenne. C'est quoi un inactif? C'est quelqu'un qui est soit chômeur, soit qui ne veut pas travailler. Est-ce qu'on peut, plutôt qu'une guerre de chiffres, est-ce qu'on peut aller sur des solutions? Parce que les guerres de chiffres, honnêtement, c'est pas possible. Monsieur Zemmour, donc les retraités, par exemple, c'est des inactifs? Mais non. Selon l'INSEE? Mais non. Ah, d'accord. Donc, en fait, ce que vous faites dans votre calcul, c'est que pour les étrangers, vous comptez les retraités. Parce que l'INSEE vous a répondu, monsieur. Vous comptez les retraités parmi les 40% d'inactifs. Par contre, pour les Français. Je l'ai lu. Ils vous ont répondu, ouvrez votre courrier. On peut parler projet. On peut pas avoir un projet si on base sur des mensonges. Monsieur, pour les étrangers, vous comptez les retraités. Pour les Français, vous comptez pas les retraités. Si vous comptez les retraités pour les Français inactifs, vous vous rendrez compte qu'il y en a 30% d'inactifs. C'est normal, les gens sont retraités. Voilà. Et donc, vous êtes en train de mentir. Vous faites que ça pour les étrangers. C'est la comparaison de l'INSEE, ce n'est pas moi. La comparaison de l'INSEE, par ailleurs, vous répondez à ce qu'il a dit tout à l'heure sur les riches. Allons-y. Je ne suis pas le candidat des riches. Moi, je dis au contraire, je pense qu'il faut rassembler les Français pour défendre la France telle qu'elle est.
et ne pas changer de civilisation et ne pas changer de peuple. Et pour ce projet-là, il y a des Français des classes populaires, il y a des Français d'où qu'ils viennent d'ailleurs, d'où qu'ils viennent, et il y a des Français plus aisés. Et c'est cette alliance que je défends, c'est cette alliance qui justement évitera ce que vous défendez, vous, c'est-à-dire la lutte des classes. Vous, vous avez un projet authentiquement révolutionnaire, authentiquement destructeur et belliqueux, de qui vos est amis, mort oui, aux riches. Ah bah, il y aura moins de dîners en ville, hein. Bah, ça, il y aura moins à dire, vous je savez, vous confirme. Vous savez, mais non, mais parce que vous il n'y aura pas moins de dîners en ville. Simplement, c'est vous qui dînerez en ville. Mais non, mais on la connaît, celle-là. Vous savez, on a connu les Jacobins, on a connu les communistes. Vous voulez simplement remplacer les riches. Moi, je vais vous dire, on vous connaît, monsieur, on vous connaît. Monsieur Zemmour, laissez-moi. On a connu, ça fait deux siècles que vous faites ça. Deux secondes. Donc ça ne marche pas. Vous dites que vous voulez simplement remplacer les riches. Vous voulez leurs privilèges, s'il vous plaît. On vous connaît. S'il vous plaît. Vous dites que vous voulez allier la bourgeoisie et les classes populaires. Vous le dites, ça, je vous le reconnais. Pour la bourgeoisie, on sait ce que vous faites. Rien. Vous ne touchez pas à leurs dividendes, vous ne touchez pas à leurs profits. Pour les classes populaires, vous ne proposez rien, monsieur, parce que l'allongement de l'âge de départ à la retraite, c'est les classes populaires, les Français, qui vont payer ça. Parce qu'il y a une différence d'espérance de vie entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches, de 13 ans, d'accord ? C'est eux qui vont prendre en pleine tête l'allongement de départ à la retraite. Ça, c'est l'allongement de départ. Et derrière, vous êtes en train de nous dire, et en plus, vous êtes en train de nous dire, c'est ça qui est grave. C'est que vous allez prendre l'argent sur les étrangers. Encore une fois, à chaque fois que vous prenez des chiffres sur les étrangers, ils sont faux. Vous nous avez dit récemment que, par exemple, pour les allocations de la caisse des allocations familiales, c'était 40% d'étrangers. C'est complètement faux. La caisse des allocations familiales, elle vous a répondu. Encore une fois, il faut ouvrir votre courrier, M. Zemmour. Il n'y en a que 10%. Alors, pour les personnes nées à l'étranger, il y a 5 millions de personnes nées à l'étranger qui touchent des allocations. 30 millions d'allocataires au total, ça fait que 15% de bénéfices. Éric Zemmour, on ne sera pas d'accord. C'est que vous mentez avec les chiffres et que moi je les connais parce que moi j'ai bossé. Vous êtes la vérité intégrée. Non, moi je Vous travaillez, mais oui, ouais, mais oui. Il travaille beaucoup plus que vous, vous inquiétez pas. Je crois pas. Je voudrais simplement dire qu'il y a effectivement l'âge de la retraite. C'est ça sur laquelle vous m'avez interrogé. Aujourd'hui, il y a une espérance de vie supérieure à 64 ans par rapport à l'espérance de vie à 60 ans en 1981. Pour tout le monde. Donc vous voulez faire partir quand ils sont plus en bonne santé? Non, pas du tout. C'est 64 ans l'espérance de vie en bonne santé. Il y a simplement un problème. Quand ils sont plus en bonne santé. Il y a un problème, c'est que d'abord, le travail, c'est la santé. Non. Mais si. Bah, allez dans une usine, allez dans une usine dire ça aux gens. Monsieur, aux gens qui ont le dos cassé, monsieur. Même les gens qui travaillent dans les usines. À 65 ans, vous allez même les gens qui travaillent dans les usines, c'est bien de travailler. Moi, je sais. Vous croyez qu'une caissière qui travaille à 60 ans, qui porte des poids, etc., ou 65 ans, vous pensez que c'est audible de lui dire le travail? Une infirmière, un policier à 65 ans? Ne faites pas de misérabilisme. Ne faites pas du misérabilisme. On vous connaît, vos méthodes communistes, on les connaît. Ah, bah oui, là, je les utilise. Vous les connaissez, ça ne marche pas avec moi. Pour un policier, ça ne marche sympa. Pas. On connaît vos méthodes communistes. C'est sympa. Oui, alors, monsieur, je maintiens. Santé, je maintiens. D'abord, il y a des gens qui rentrent plus tôt, qui travaillent plus tôt. Ceux-là, évidemment, ils auront les annuités, ils pourront partir plus tôt. C'est une évidence. Mais pour le reste, je confirme. D'abord, c'est bien de travailler. Les gens aiment leur travail le plus souvent. Mais oui, jusqu'à 65 ans. C'est pas des vieillards à 65 ans. Donc après, non, mais des gens fatigués, c'est parfois des gens fatigués. 63 ans. C'est parfois des gens fatigués. Si, des gens je vous répète, s'ils ont commencé plus jeunes. Les dîners mondains, c'est pas très fatigant, M. Zemmour, je suis désolé. Bon, mais qu'est-ce que vous faites, vous? Vous allez à l'usine, vous? Mais moi, je me plains pas de ma vie. Alors, vous n'êtes pas faire de misérabilisme. Mais moi aussi. Vous défendez les pauvres, mais vous voulez pas vivre pareil. Parce que je vais vous. Mais vous non plus. Mais moi, je me mets à leur place. Mais vous non plus. Mais moi aussi, je me mets à leur place. Nous, on va sur les. Et je vais vous dire. Et je vais vous dire. On va arrêter là. Et je vais vous dire. Comme disait Jaurès, la nation est le seul bien des pauvres. Les pauvres, ils veulent sauver leur pays. Eh ben, vous voulez ils en ont marre, ils bien. En ont marre que des gens venus de partout se soient assistés par leur travail. Voilà. Et on arrête là. Merci beaucoup. Merci, monsieur Zemmour. On va arrêter là. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci, Éric Zemmour, d'avoir...